Eh bien, c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 22e épisode de The Legend of Zelda. The Legend of Zelda Link's Awakening sur Switch. Donc là, en fait, petite péripétie. J'avais tourné un épisode tout à l'heure. Et comme un coup, en fait, ce qui vient de se passer, c'est que au lieu de faire. J'utilise un Game Capture HD. Et au lieu de faire retraiter. La vidéo pour qu'elle puisse être montée par la suite, je la supprime, je la mets à la corbeille et je la supprime, mais c'est supprimé définitivement. J'ai juste appuyé sur le mauvais bouton, résultat je suis en train de recommencer ce que j'ai fait il y a 2 secondes tout à l'heure là, et du coup ben je venais de faire un épisode où j'ai fait les 4 donjons suivants de la troisième pelle, bah on va en faire que 2 là. Parce que là, je vais faire plus court pour le coup. J'ai malheureusement pas le choix parce que là, voilà quoi. Je vais pas non plus faire 2 fois. Et du coup, ça rallonge un peu le truc. Mais c'est pas grave. Donc on va se téléporter au niveau d'Igor. Et on va recommencer tout. Hein. Mais là, je vais me dépêcher du coup. Alors se téléporter. Du coup, ouais, je vais me dépêcher et puis voilà quoi, parce que j'avoue que là, j'ai le seum de devoir refaire, là. J'ai le seum de devoir refaire l'épisode. Mais bon. J'ai pas le choix. Si je veux que la vidéo puisse sortir dimanche, il faut que je la fasse, de toute façon, j'ai pas le choix, là. Donc, bienvenue, ma foi, si c'est pas une nouvelle carlite, oui, parce que maintenant, évidemment, comme j'avais expliqué tout à l'heure, c'est que j'ai acheté une carlite supplémentaire vu qu'on avait un peu plus de 1200 hobbies à faire les donjons d'avant, j'en avais plus de 1000 et du coup j'ai pu me prendre une carlite supplémentaire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Jouer à un donjon. On va jouer, donc, on avait fait à portée de clé un donjon explosible, le coffre et plein de passages sous le sol. Et ben maintenant on va faire où mène les escaliers et puis bas les cœurs. Voilà. On va faire que ces deux-là, alors que j'avais fait un épisode où j'avais fait aussi les 2 autres. Mais bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc du coup, on va lancer celui-là, explorer ce donjon. On va voir. Alors du coup, je vais tenter de vite fait reparler ce que j'avais dit tout à l'heure à propos de ma chaîne YouTube. C'est que j'avais dit que je ferais après Majora's Mask 3D. Et du coup, je vais vous dire un petit peu comment je vais le faire, plus ou moins. Parce que j'avais fait, il y a pas mal de temps, Majora's Mask sur 64. Et vu qu'il y a pas mal de quêtes annexes, ce que j'avais fait, c'est que au bout d'un moment, enfin, j'avais fait plusieurs épisodes annexes. Et là, ça va plus ou moins être pareil, en fait. Je vais faire... Je vais faire mon let's play avec... Voilà. Je vais faire mon let's play avec... avec des moments où je ferai des épisodes annexes. Et du coup, en fait, c'est dès le départ, en fait, des villages Cocorico. Ça va pas forcément être de l'annexe tout de suite. Mais disons que je resterai un certain temps dans Cocorico. Faire un peu ce qu'il y a à faire. Question de pas me retrouver à la fin de mon let's play avec trop de quêtes annexes à faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, une petite nouvelle, c'est que je vais bientôt changer de micro-casque. Et du coup, ce sera pas un micro-casque que je prendrai. Cette fois-ci, ce sera un micro basique que je poserai sur ma petite table là ici. Qui me servait auparavant à mettre mon Game Capture HD. Maintenant, je mets au sol la plupart du temps. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et du coup, ce que je me prendrais comme type de micro, c'est un HyperX. Je voulais au départ me prendre un Blue Yeti, mais sur les conseils de Falcon, en fait, qui a un pote qui fait des streams comme moi sur la chaîne du Golden Phoenix, mais il m'a dit, ah, je te propose, je te conseille l'HyperX. Voilà ce qu'il m'a dit. Il y a un très bon rapport qualité-prix. Va coûter un peu plus de 100€ le truc, mais franchement il paraît qu'il est vraiment excellent, très bonne qualité le micro, donc ça changera, hein.
littéralement. Ça changera littéralement du micro-casque que j'ai, parce que c'est vrai que... Il est cool, mais ce qu'il y a, c'est que il y a plein de petits bruits hein, qu'on entend là, c'est pas tip-top. Bon, c'est pas tip-top, on va dire. Hein. Pas vraiment. Donc, du coup, on va quand même prendre tous ces rubis, parce que j'aimerais bien encore arriver à au moins 1200 rubis assez rapidement. Voilà pour ça. Alors je vais essayer de me dépêcher quand même. Ce serait bien si j'arrive à faire 3 donjons. Et pas seulement 2, mais bon, leur tourne là et puis... J'avais fait un épisode qui faisait à peu près 1h08. Mais là, comme un con, j'ai effacé en fait ça qui est débile. Et débile. Parce que sur Game Capture HD, en fait, j'ai un bouton pour retraiter la vidéo. De façon à ce que je puisse la mettre sur Sony Vegas après. Et j'ai un bouton à côté qui est le bouton corbeille. Et j'ai appuyé sur le bouton corbeille comme un gland. Ah, c'est ballot. Ah, du coup, j'ai un peu le seum quand même. Hein. Faut bien se l'avouer. Mais bon, c'est comme ça. Alors, du coup, toi, je t'enlève... J'avais pas d'autre coffre, hein. Ah mais si, c'est vrai, j'avais encore un autre coffre. J'arrête pas de me faire avoir. Je m'étais fait avoir dans l'épisode qui finalement j'ai mis à la corbeille en plus. Donc si je veux éviter qu'on perde du temps, que j'aille tout de suite là où il faut. Voilà. C'est-à-dire... plus bas, s'il vous plaît. Ah, il faut encore que je passe un escalier. Super. Ah, bordel. Ah du coup c'est là ici. Un petit coffre avec forcément la clé. Ah non, pas de clé. Ok, très bien. Alors du coup... Non mais de toute façon j'ai pas le choix. Faut que je repasse par ici. Alors du coup, ouais, je bute ça. Et du coup, on était arrivé ici. Voilà. Quelques ennemis. Poser une bombe. Une salle qui sert à rien, si ce n'est juste un ennemi pour perdre des cœurs. Là, j'ai pas de clé. Oh, c'est moche.
Ah ça c'est la dernière... Ouais ouais c'était le dernier coffre. Et du coup ben ouais ben c'est directement la salle du boss en fait. Voilà tranquille. Tranquille tranquille. Ah, je suis pressé là, j'en peux plus. Je suis pressé, bordel. Voilà, c'est réglé. Bon, premier donjon de fée. Ah, on mène les escaliers, victoire. Ah, c'est vraiment con que j'ai effacé l'autre vidéo, bordel. Alors, bas les cœurs, voilà. C'est là que ça devient intéressant. On va faire un donjon dans lequel on n'a que 3 cœurs. Mais du coup, ça va pas forcément être plus dur, hein, parce que on se souvient que les mini-boss donnent toujours des fées. Et on récupère de temps en temps des cœurs dans les pots. Donc franchement, si vous voulez faire un donjon compliqué, enfin un peu dur à passer, il fallait quand même faire en sorte qu'on ne récupère pas de fées ni de cœurs. Mais ouais, vous voyez là, j'ai récupéré une fée. Donc c'est un peu ballot quand même. Hein. On nous propose la possibilité d'avoir 3 cœurs, mais à côté de ça, voilà. Alors du coup, ouais, on va aller par le haut. Une petite clé. Celui-là, en fait, c'est celui-là où il fallait que je me mette... C'est vrai que ça peut être perturbant parce qu'on peut se dire, ouais, c'est de là qu'il faut le mettre, mais non. Non. En fait, il fallait se mettre en haut. Et c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Alors, non. J'ai pas de raccourci pour le coup. Pas ici, en tout cas. Par contre, j'en avais pas un en haut. Je sais plus. Non. Retour à l'entrée. Oh, Justin. C'était juste Justin. Vraiment. Non, je veux pas ça. Alors, annulez, s'il vous plaît. Ce que je voulais, c'était prendre ça. Ah, faut que je fasse attention aux cœurs quand même, hein, parce que même si je récupère des cœurs facilement, si je me presse trop, voilà ce qui se passe. Ouais, quand je disais qu'on récupère des cœurs dans les pots, ben voilà. C'est trop facile. C'est trop facile, bordel.
Alors on va d'abord aller par ici. Est-ce que... Oui, faut que je récupère tous les coffres, hein, j'ai pas le choix. Ça j'avais dit déjà. Mais tant que je récupère pas tous les coffres... En fait, la clé du boss se trouve toujours dans le dernier coffre à ouvrir. Donc du coup, voilà. Si j'ouvre pas tous les coffres, je me fais avoir. Le troll. Le troll. Et voilà. Ah, par contre, il y avait une salle en dessous, il me semble. J'ai pas fait gaffe. Oui, il y a une salle en dessous. Je suis bête. Bon, on va ouvrir celle-là déjà. Ah bah c'est la clé du boss. Mais par contre, il y a la salle en dessous, quand même. Même si c'est un peu inutile pour le coup. Mais on va quand même l'ouvrir. Alors, le raccourci était là. Attends. Bah non, de toute façon, je suis pas allé là. Parce qu'il y avait toute la partie en haut. Bah oui, j'avais pas fait ça. Alors du coup, on va faire attention. Ah ! Ah ! Ah ! Ah oui, c'est vrai. J'ai ça. Eh, faut que je fasse gaffe quand même. Faut que je fasse gaffe, hein. Voilà. Bon, j'ai fait un demi game over, on va dire. Un demi fail. Ah mon dieu, c'est pas possible. J'ai honte. Au secours, j'ai honte. Comment j'ai pu failer sur ce jeu ? Trop facile. Comment j'ai pu? Ah, sérieusement? Comment j'ai fait mon compte? C'est ça qui m'étonne, hein. C'est waouh! Enfin bon. Bah, en même temps, j'ai pas fait attention non plus. Hein. Donc c'est pas étonnant. Ah, où ça mène ici déjà? Ah, directement là, mais alors à quoi ça sert d'aller là, hein? C'est la question. Ah, c'est juste pour la fée en fait. Ah oui, c'est pour les rubis. On va les prendre. Quoi? Ça tombe plus. Oh non. Oh non, je suis dégoûté. C'était la salle des rubis en fait.
Ah. Ah, j'ai pas pris les rubis. Ah, c'est la loose. Bon, c'est pas grave. Retour en arrière pour le coup. Ah, c'est là ici. On approche du boss. Et du coup, oui, j'ai pris celui-là, du coup. Ce boss. Et comme on a 3 cœurs, il faut faire attention quand même. Ce qui peut faire mal. On perd un cœur à chaque fois. Ça va être moche. Moche. Voilà. Alors là par contre, ah là par contre, là c'est bon là. Là c'est bon là, mais le compte est fait. Oh, tu fais pas de ceci pour tes cœurs pendant l'exploration. Même si tu les perds tous, ça ne compte pas comme une défaite. Tu recommences simplement au point de départ. Oui, bah je sais. Ce qui est plus pratique, en revanche, c'est que tous les coffres que tu as ouverts le restent. Alors... Oh, mais c'est trop facile ça. Moi, je m'attendais à ce que, littéralement, on ait tout à refaire. De A jusqu'à Z. Mais non. Mais non. Alors là, je suis pas d'accord. Faut pas non plus exagérer. Pas dur. Ils auraient pu nous faire en sorte qu'on ait tout à refaire. Ah, c'est vrai, quoi. C'est un peu la déception, pour le coup. Hein? Un peu. Ah, bordel. Ah, je suis déçu, hein. Ah, je m'attendais pas à ce que tous les coffres restent ouverts. Hein. Donc du coup, je peux directement accéder à la salle du boss si je veux, mais là par contre... Ouais, c'est mignon d'avoir fait ça, les gars. C'est mignon, mais là du coup... Là du coup... Ouais, bah j'ai pas le choix en plus. Ah, j'ai pas le choix en plus. Il faut que je passe par là. Mais est-ce que j'avais... Est-ce que j'avais genre un cristal activé ici ou non? C'est pas sûr, hein. C'est pas certain pour le coup. Ah si, j'en avais un, c'est bon, j'en avais un ici, tant mieux. Tant mieux, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est vrai que ça aurait été con que je doive recommencer tout depuis le début finalement.
Ouais, donc du coup, je passe par là. De toute façon, j'ai pas le choix. Ah, c'est ballot quand même que j'ai failli sur le boss. Hein. C'est vraiment dommage. Hein. Bon, on fait attention maintenant, s'il vous plaît. Parce qu'il est vraiment pas dur en plus, hein. Voilà, c'est simple. Pas de problème. Nos soucis. Bat les cœurs, victoire. Parfait. Donc du coup, on va pas faire les deux derniers, malheureusement. C'est con parce que dans l'épisode d'après, j'aurais déjà pu commencer à présenter les donjons de l'appel d'or que j'ai fait. Parce que là, actuellement, oui, j'ai pu faire deux donjons supplémentaires, là, ici, entre-temps. Mais du coup, c'est pas quatre donjons qu'il faut faire. C'est, en plus de ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faut en faire 8 autres, c'est long. C'est long, donc en tout, ça fait quoi? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 donjons à faire. Eh ben, en fait, pour tout dire, en fait, c'est... Il faut faire autant de donjons à l'appel d'or que de faire tous ces donjons-là, en fait. Parce que c'est 4 donjons pour les 3 premières catégories, ce qui fait 12 en tout. Et là, l'appel d'or, c'est 12 donjons. Donc c'est comme si on se retapait une deuxième fois les 3 catégories, là. Voilà. Donc du coup, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. C'est dommage, donc j'ai dû le refaire. Du coup, portez-vous bien. Et puis la semaine prochaine, on fait la deuxième partie. On fait les deux derniers donjons des trois pelles. Et puis ouais, peut-être ces deux-là, on verra. Donc du coup, portez-vous bien. Et puis à la prochaine, tout le monde. Ciao.